Bonjour à tous. Et à toutes. Tous, toutes. Vous savez qu'en fait, en grammaire, le masculin est un œuf. Puisqu'on commence par des utilisations grammaticales, j'adore ça. Voilà, j'ai appris ce matin lors d'une conférence très intéressante. J'avais dit, c'est une littérature qui se conjugue au féminin. J'ai appris ça à la conférence ce matin. Enfin voilà, tout d'abord, je vais vous accueillir avec très grand plaisir. Monsieur le conseiller général, messieurs les députés, les élus, mesdames et messieurs. À présent, monsieur le maire d'Aulnay, Gérard Segura. Vous allez dire le grand plaisir que nous avons au nom de la municipalité de vous accueillir pour cette troisième édition du festival Les Futuriales à Aulnay-sous-Bois. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, nous saluons cette manifestation qui réunit une soixantaine d'auteurs, illustrateurs spécialisés dans ces domaines que nous célébrons ici, c'est-à-dire les littératures imaginaires, sous toutes ses formes, science-fiction, fantasy, fantastique. Comme vous le savez tous, le thème retenu pour cette année, c'est la bit-lit, la littérature à mordre. C'est le thème des vampires, zombies et morts-vivants qui nous réunit ce jour. Et voilà, ça permettra la rencontre des spécialistes de ce genre avec un public déjà des fans et des nombreux curieux qui voudront bien découvrir, j'espère avec passion, ce genre. C'est toujours les très festifs, vous pouvez le voir. Il y a de nombreuses manifestations de danse, d'art de la rue. Il y a des tables rondes qui s'ouvrent juste après. Il y a une conférence ce matin. Ce soir, nous aurons une soirée festive de films au théâtre Prévert, Jacques Prévert, à quelques mètres, centaines de mètres d'ici, destinée à faire connaître ces films jusqu'à minuit. Mais si vous avez trop peur, vous avez trop peur de rentrer chez vous, sachez qu'il y a quelques hôtels qui pourront vous accueillir. Et plus sérieusement, je voulais remercier pour l'organisation de cet événement la librairie Folie d'Ancre, qui nous accompagne dans de nombreuses actions culturelles sur la ville d'Aulnay, un vrai partenaire culturel, le réseau des bibliothèques qui organise cette journée, et je salue la présence de sa directrice Muriel Serumabel ici présente. Je profite pour vous associer à la fête du premier anniversaire de Mediabus que nous avons juste à côté. C'est le gros bébé qui fait quelques tonnes et qui sillonne les rues d'Aulnay pour promouvoir la lecture publique dans les quartiers les plus éloignés des bibliothèques avec un succès fulgurant. Enfin, voilà, nous nous réjouissons de cette fête de la lecture. Je voulais dire que nous sommes dans Saint-Denis, bien sûr, et nous accueillons des gens de toute la région. Et nous voyons ces départements particulièrement comme un laboratoire des idées de demain. Il y en a qui les considèrent comme une zone où le futur commence, voilà, dès maintenant. Ça fait écho au thème des futuriales. Tout ça pour vous dire que dans notre action, le futur c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Nous sommes lancés en Saint-Denis, à Aulnay tout particulièrement, où la culture est en mouvement. Et je ne vais pas être plus long, je vais vous donner la parole au maire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Avant ça, je veux remercier quand même tous les partenaires. Par exemple, cette année, l'entreprise L'Oréal, qui nous accompagne dans toutes les manifestations culturelles sur la ville, qui participe à travers sa fondation au prix qui va être décerné dans quelques instants. Comme vous le savez, il y a un prix dans la catégorie jeunesse et un prix dans la catégorie adulte, ainsi qu'un prix du jeune illustrateur. Parce que l'école d'art Claude Monet a participé cette association, cette manifestation, grâce aux élèves qui affichent leurs travaux, leurs affiches sur la thématique des zombies juste à l'entrée. Les théâtres Jacques Prévert, je l'ai dit, les centres de danse du Galion à travers un danseur. Une association des jeux juste à la sortie, 1000 jeux. J'espère n'oublier personne. Bien sûr, toute l'équipe des bibliothèques qui a travaillé très activement pour organiser cette manifestation, les services culturels de la ville.
logistique, la sécurité et toute l'équipe municipale. Bonne journée à vous. Je vous donne rendez-vous dès maintenant.